Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans Miss Vodacom Congo. Vous le savez, chers amis téléspectateurs, c'est votre émission, votre grand show de télé-réalité. Quand je dis que c'est votre émission, c'est vous qui décidez, c'est vous qui votez. En réalité, vous le savez, chaque semaine, une ou plusieurs candidates est éliminée et c'est vous qui, par vos votes, allez déterminer celle qui, au final, deviendra l'ambassadrice de la beauté congolaise. Alors ce soir, elles sont 12, mais elles ne sont pas seules. Je suis d'abord avec les membres du jury. Madame Odia, bonsoir. Bonsoir Michel. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? En grande forme. Mieux, ça va pas être possible. Parfait. Juste à côté de vous, il y a Albert. Albert, je crois que déjà, il est en très grande forme. Toujours. Ah, je te prie de me croire, mon cher ami. Ce soir, non seulement je pète la forme, mais en plus de ça, je suis en forme. Parfait. Juste à côté de vous, il y a Malika. Bonsoir Malika. Bonsoir Michel. Comment ça va? Très très bien, merci. C'est ce qui me semblait également. Les membres du jury, vous le savez, sont là pour juger, pour aider les jeunes filles à aller plus loin dans l'aventure et finalement de les faire grandir. Chers amis téléspectateurs, la semaine dernière, c'est Alliance qui a quitté l'aventure. Donc je vous invite à continuer à suivre l'aventure Miss Vodacom et surtout à voter, voter massivement pour soutenir vos candidates. Les candidates en question, vous voulez les voir? Elles arrivent. La première à se présenter, c'est Zarka. Juste derrière Zarka, il y a Valentine. Valentine est suivie de Zindouna. Il y a Lorraine, Merveille, juste derrière Merveille, vous reconnaissez Jessica, Monique, Laetitia, vous reconnaissez Myrna, suivi de Patricia. Derrière Patricia, il y a Davina, que vous reconnaissez. Et ce soir, c'est Bijou qui ferme la marche. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, Michel. Comment ça va? Ça va bien. Mais vous êtes ravissante. Albert, un mot peut-être, elles sont comment? Je les trouve sincèrement. Kitoko! Kitoko Akashi! Yes! Effectivement, mesdemoiselles, on vous trouve très jolies ce soir. Vous êtes magnifiquement habillées, vous êtes magnifiquement maquillées et coiffées. Et pourtant, cette semaine, ça a été une semaine où on vous a retrouvées, finalement, à l'inverse de ce que vous êtes ce soir. On vous a trouvées peut-être un peu masculine. On a voulu cette semaine voir si vous étiez capable de relever des défis. Être capable, en réalité, de vous confronter au job de mec. On vous a demandé de rentrer dans la peau de maçon, donc on vous a vu à l'œuvre. Ça a été une semaine physique, une semaine qui a été difficile. Oui, certaines ont d'ailleurs quelques séquelles, hein, on verra. Certaines ont quelques séquelles. Vous verrez Valentine qui est légèrement blessée, mais je vous rassure, chers amis téléspectateurs, rien de grave. Pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi tout ce qui s'est passé cette semaine, et c'était une semaine riche, regardez. À 20h, tout le monde lit. Parce que chaque jour, on sera obligé de se réveiller très tôt pour faire les sports à 7h. Oui. 6h, tout le monde doit être habillé. Dormir à 20h, et puis vous aurez un livre à lire. C'est comme si elle partageait des livres. Allô? Allô maman. Bonjour. Allô. Yeah, allô. Bon, allô. Ça va bien? Cette semaine, c'est la semaine job de mec. Outil premier, le DJ mannequin. Allez, c'est parti, Schumacher. Avec mon cœur, je me suis dit non, cette fois-ci avec moi ça va aller. Et j'ai mis tout mon cœur de volonté, comme on l'avait dit, et voilà. Je
musique, Havana Café. Moi, je dis grand merci pour Vodacom et pour les gens qui m'ont soutenu, car sans eux, je ne pourrais pas traîner tout ce temps en monnaie en secret. DJ Athanas, Paris. Shaki Charouf. DJ Jean-Coup. DJ Tanguy Denon. DJ Meko. Voici on dit premier avec le Chubagaya. Kiriwa yo yo, tout le monde on va Chubagaya. Kiriwa yo yo, tout le monde. On n'a pas à choisir ou à me dire avec qui je veux parler. Mon frère, je lui dis pas où je vais aller, tout ça. Moi, j'ai pas eu cette occasion-là d'avoir un grand frère qui me coince. Même si tu connais que cette personne se moque de moi, dit de n'importe quoi sur moi, tu peux lui saluer, lui dire bonjour et lui attirer vers toi. La couronne, ça sera seulement pour une seule personne. On a way them little boy, they will lose a brownie. Alone, I make you start to moan and groan. Come here and your love strong like a stone girl. Hello, ça va? Ça va? Les 12 finalistes. Ah oui. Voilà, je vous le disais juste avant ce petit sujet, ça a été une semaine riche et les jeunes demoiselles qui se présentent devant vous ce soir ont vécu une semaine très très physique. Alors, se confronter à des travaux traditionnellement réservés aux hommes, ce n'est pas une chose facile. Je vais donc tourner tout de suite vers les membres du jury. Malika, oui, hein, on est dans une société que l'on dit très masculine. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est une jeune femme charmante pour justement se retrouver bien dans cette société masculine? Déjà, pour commencer, je crois à l'égalité entre l'homme et la femme, la parité. Et je pense que dans notre pays, maintenant, les femmes commencent à se faire valoir. Et elles l'ont prouvé. Aujourd'hui, elles sont dans leurs belles robes. Elles sont ravissantes. Vous êtes ravissantes, éclatantes. Je vois du changement. Et si elles étaient dans des salopettes, ça doit continuer comme ça, et pour une Miss, en fait, il faut être capable d'être ravissante comme ça dans une robe et capable d'être dans une salopette, de faire l'électricien, de faire, de savoir le maçon. Mais on ne les regarderait pas de la même manière, enfin, moi en tant qu'homme. Hein. Justement, chers amis téléspectateurs, nos Miss ont réellement revêtu cette semaine la salopette, le bleu de travail comme on l'appelle traditionnellement. Elles avaient le casque de chantier, les gants. Et elles ont eu à relever un challenge qui n'était pas facile du tout. Et je peux vous le dire, allez, sans livrer les secrets, elles s'en sont très, très bien tirées. Regardez. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir, Michel. Comment ça va? Ça va bien. Eh ben dis donc, hey, vous êtes bien comme ça. Merci. Des vrais travailleurs, des vrais gaillards. Ouais. Mais pour des gaillards, vous êtes assez jolies les filles, hein? Quand même. Merci. Bon, aujourd'hui challenge. Hein? Vous savez maintenant comment on fait des briques? Aujourd'hui, il va falloir les assembler. Vous allez devoir créer une nouvelle pièce au manoir secret. Oh. Oui. On a fait les fondations, on vous guidait un petit peu, mais vous allez devoir finir cette pièce. Vous allez être en deux équipes. Je vous donne les équipes. Équipe A, Valentine, de ce côté-là. Patricia, Zarka, Lorraine, Merveille, Bijou. Équipe B, Davina, Monique, Zindouna, Jessica, Laetitia, Myrna. Attention, je vous donne un top. 3, 2,
1, partez. Ridicule me, let me have it. Je les ai trouvées entreprenantes. Là, je vais dire vrai parce que même moi, je ne m'attendais pas à ça. Ils m'ont surpris. On s'est départagé des tâches. Valentine, Lorraine et si je ne me trompe pas, Patricia sont en train de placer des briques. Alors moi et Zarka, on prend des briques et puis on ramène ça vers eux. Sinon tu n'auras pas à mettre le ciment au-dessus. C'était déjà donné les tâches avec les autres. Chacune va faire son travail. Maintenant, on leur dit d'aller déjà mélanger les ciments pour qu'on puisse continuer la construction. Elles sont là en train de regarder ce qu'on est en train de faire. Fini, on était devant les autres. Et j'ai fini, maintenant j'entends les ciments des mélanges, il n'y a pas. Les autres maintenant nous ont dépassés. On a bien travaillé ensemble, malgré que... À un moment, Valentine était même fâchée, frustrée parce qu'il y avait un peu de retard. Il était stressé déjà, mais on s'est quand même dit de ne pas lâcher, de continuer et que ça pouvait toujours marcher pour nous. J'étais désespérée. Pourquoi? Parce que j'avais vu qu'on était en train de partir avant les autres. Mais après... J'ai vu qu'on n'avait plus de ciment, même pas mélangé. J'ai regardé les autres, je me suis dit, hey, Seigneur, ils vont nous dépasser et puis ils vont gagner. Le travail, c'est trop dur. Et être au maçon, c'est déjà une chose que je n'ai jamais fait, je n'ai jamais vu. Et la façon dont on les fait. Il faut qu'on vous dise que ce sont des filles qui ont fait ça. Apparemment, même si tu n'étais pas là, on te dit qui ont fait ça, vous allez dire que ce sont des maçons. Bon, mademoiselle, c'est terminé. Si? C'est terminé, c'est terminé. Les filles, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Bravo. Merci. Je ne suis pas maçon, je ne suis pas chef de chantier, mais ce que j'ai vu ce soir, j'ai vu des filles qui se sont battues et débrouillées comme des chefs. Alors, mesdemoiselles, Maître Henri est en train de regarder les travaux. Il est en train de voir un petit peu tout ce que vous avez fait, la qualité des travaux qui ont été faits. Vous avez fait le tour avec les chefs d'équipe. Quelle est l'équipe qui, ce soir, d'après vous, a fait le meilleur mur? C'est l'équipe qui a travaillé de ce côté. C'est la précision. C'est ce qui a fait que l'autre équipe puisse se distinguer des autres. Mais du côté endurance, ils sont égaux. Merveilleusement, je suis contente de rapporter ces challenges et qui n'étaient vraiment
qui était, je peux dire, le plus difficile. Donc, je m'attendais de moins, quoi. Même quand je pouvais m'imaginer une fois gagner un challenge, en tout cas, je ne pouvais pas m'imaginer gagner un job des hommes, quoi. Les filles, il y a une récompense pour les gagnants. Pour ceux qui ont moins bien fait, il y aura une petite punition. Je suis très déçue. Parce qu'on s'est forcé, on s'est donné à fond, mais on n'a pas gagné. On a beaucoup travaillé aujourd'hui, demain encore, essayer de détruire ce qu'on a construit. C'est trop. Déjà que je sens que j'ai une crampe. Travailler dans notre équipe, tout le monde. Et voilà, à la fin, Dieu merci, on a gagné et on s'est réjouis, on était très contents. Tu vois, même on a jeté bijoux et merveilles dans la piscine. Vraiment, on est très contentes. La fois passée, je me disais, mais Seigneur, pourquoi pas, pourquoi pas? Pourquoi pas une victoire de mon côté aussi, en fait. Et dans les coulisses, je me disais, mais je suis trop nulle. Je ne suis pas assez bonne pour être là. Et là, je réalise autre chose. Je me dis que c'est encore possible. Dans une bataille, il y a toujours eu des gagnants et des perdants. Nous, on m'a écrit pardon. Peut-être prochainement, ce sera nous des gagnants. On a bien programmé et on a bien travaillé. À la fin, on a eu des bons résultats. Merci pour les amis. Merci. Je conseille aux autres d'avoir toujours la détermination. Quand tu as une détermination sur la chose que tu fais, tu arrives toujours, quelles que soient les difficultés. Tout ce que je peux leur dire, c'est de chercher à faire encore plus d'avantages. Moi, à mon humble avis, ce sont des filles qui se débrouillent bien. Venez de le voir, chers amis téléspectateurs, pas facile comme défi. Et cependant, nos 12 finalistes l'ont relevé avec brio. Alors effectivement, construire, monter un mur, devenir de véritables maçons, c'est pas une tâche facile. Et pourtant, Valentine, vous nous avez bluffé. Vous n'avez peur de rien. Merci. Vraiment, d'abord, c'est un boulot difficile que je n'ai jamais fait dans ma vie. Mais quand même, je me suis donnée, je me suis battue pour gagner ce challenge parce que c'était un challenge. Et enfin, c'était ça, ça s'est accompli et j'ai gagné avec mon équipe. On a eu l'impression d'ailleurs que c'est vous qui avez entraîné toute cette équipe avec vous là. Hein? Vous étiez un peu le meneur un peu dans cette équipe. Oui, j'étais comme le maître des chantiers dans mon équipe. Et c'était ça, j'ai appris les autres avec Patricia et Lorraine. On était à la construction et les autres étaient là pour nous aider avec le brique et les mélanges des ciments. Et ça s'est bien passé, on avait vraiment l'ordre qu'on s'est donné entre nous et qu'on l'a respecté. Enfin, on a gagné. Albert, c'est bien cet esprit de la gagne là, qu'ils avaient dans cette équipe. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que j'ai vu et ce que j'aimerais relever là aujourd'hui, c'est qu'il faut être des gagnants, être toujours dans le camp des vainqueurs. Mais là, cela requiert quelques qualités, à savoir la motivation, avoir un objectif. À l'inverse de certaines personnes que j'ai senties négatives, pas motivées, qui baissent les bras facilement, c'est pas ça la vie. La vie est parsemée d'embûches et d'obstacles. Le but, c'est de les surmonter, quoi qu'il advienne. Et je tiens quand même à remercier et à féliciter surtout Valentine, parce qu'elle a fait preuve de courage, de motivation,
de volonté et d'envie. Franchement, bravo. Vous voyez, quelqu'un comme Zindouna, qui a eu du mal. Ah oui? Mais elle n'a rien lâché. Elle s'est accrochée. Elle s'est battue parce que les valeurs, elle les a. Ambition, objectif, motivation. Est-ce que ce n'est pas parfois facile, justement, de profiter de l'élan d'une équipe et de temps en temps être un peu... J'allais dire un peu derrière et puis profiter de la gagne de l'équipe. Et pourquoi pas, et comme elles sont persévérantes, c'est comme tout, ça qu'elles y arrivent. Tout à fait. Bozaga, batouté au bozo, landa, pendant Rolanda. Olandi, mais au kangi, au kotisi, au kolisi idéologie, pendant tout le monde pour sali. Tout à fait. Tokani. Amen. Merveille, on vous a trouvé un petit peu plus en retrait sur cette épreuve. Quoi, les travaux physiques, c'est pas pour vous? Ben, je dois aussi avouer que, en tout cas, même ma famille qui vont vraiment regarder les images, ma mère sera en même temps étonnée et elle va sûrement avoir peur. Elle va se dire, est-ce que vraiment après elle va bien surprise, se sentir parce que, oui, elle sera vraiment surprise parce que c'est pas dans mes habitudes. Et déjà, l'effet de soulever autant de briques comme je l'ai fait l'autre fois, en tout cas, ça m'a vraiment aidée à découvrir ce que j'étais et que... Moi-même, je ne le savais pas. Ce que si, tu avais au fond de toi-même. Voilà. Si c'est une première, c'est vraiment bien. Parce qu'on se découvre jour après jour. Toujours est-il que c'est vrai, chers membres du jury, que les filles ont relevé ce défi qui n'était vraiment pas un défi facile. Et en l'occurrence, les six gagnantes ont eu la chance, chers amis téléspectateurs, d'avoir une récompense extraordinaire. Il existe une boutique, une seule, en RDC, où les jeunes filles peuvent rentrer choisir des vêtements, des bijoux, des accessoires et ressortir sans rien payer. Et bien cette boutique, vous allez la découvrir, et elles ont vécu un moment d'exception. It's not a mind game, but we could play them too. Still running the streets, cause I wanted to eat, cause I wanted to eat, cause I wanted to eat. But she who I wanted to see, who I wanted to see, who I wanted with me. Bonjour mademoiselle. Bonjour Michel. Comment ça va? Bien. Bien posé après cette épreuve sportive. Ouais. Super fort. Donc vous avez prouvé que vous êtes capable de porter des briques, de construire des murs. Ouais. Ouais, hein. Je vous avais dit hier soir, il y a une belle surprise pour vous. On aime bien ça. Ah bah cette surprise, c'est pour maintenant. Je vais vous emmener dans la seule boutique. Oui. Vous allez pouvoir choisir vêtements, et accessoires et repartir sans rien payer. Cette boutique, elle est réservée aux Miss Monaco. Oui, exclusivement. Ah bon? C'est où ça? Je vous y emmène, non? Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Allez, venez avec moi. All black double R, me and my baby girl, me and my baby girl, me and my baby girl. You know I'm on the grind, so I miss you at times. All on my mind, as I'm scribbling lines. Ah, j'ai pensé sûrement que non, ça serait peut-être limité dans ce qu'on allait vraiment vouloir. Mais on y est arrivé, c'était vraiment free, quoi. Donc on a pris ce qu'on voulait, alors je suis très contente. Arrêtez de dire que c'est joli, c'est pas joli. Qu'est-ce qui est joli là-bas? J'avais gagné! Moi aussi j'avais gagné! Merveille! C'est pas joli. Quel est le visa pour passer? Moi, on était le choix. Damina, Damina, ça va bien. Mais pourquoi est-ce que tu les laisses? C'est pas joli.
contente. J'aime les habits, les shopping. Pour moi, c'est un rêve, en tout cas. De débarquer comme ça, tout prendre à nos choix. Et puis, voilà, je suis très contente. Et regardez, je suis toute belle dans mes choix. Je suis très contente. Boutique Mizuno.com. Tarzan, c'est à toi. Donc tout ça là, c'est à nous. On va rentrer avec ça à la Miss. Tout ça là, c'est à nous. C'est vraiment une surprise pour moi. Et je ne m'attendais pas à avoir de telles choses ou soit d'arriver là. Bon, mais vraiment j'aime, j'adore, c'est joli la robe, les accessoires, c'est très joli, j'aime. Très heureuse de me retrouver là avec les filles parce que c'est ma première fois de gagner et c'est un grand cadeau pour moi. Les autres avaient des cadeaux mais c'était pas des cadeaux en nature, donc je suis très contente. Regardez, prenez-moi de la tête aux pieds. Comment vous me trouvez? Comme une star. Franchement, aujourd'hui c'est le plus beau cadeau qu'on n'ait jamais eu ici dans le manoir. Et puis, quand il y avait beaucoup de challenges, il y avait des filles qui disaient, non, de toute façon, vous allez me convaincre au moins, quand vous avez gagné, on vous fait du shopping. Et voilà, aujourd'hui, on a fait du shopping. Wow, je suis contente, vraiment. Dieu est grand. Elles doivent aussi se battre. Moi aussi, je vais me battre encore plus. Voilà, je vais faire l'honneur de ma famille, de ma province, de mon père, de ma mère, de mes sœurs. Je veux qu'ils soient tout le temps heureux. Et même si je ne me sentais pas trop bien, je sens que la victoire m'attend. Voilà, vous venez de le voir, chers amis téléspectateurs, quelle belle récompense pour nos 6 gagnantes de ce challenge qu'elles ont relevé, c'est vrai, avec brio. Alors, cette boutique, bien entendu, elle est réservée aux Miss Vodacom et vous aurez l'occasion de la retrouver au fur et à mesure de l'aventure Miss Vodacom, car plus elles vont gagner de challenges, plus elles auront la chance de choisir vêtements, accessoires, bijoux, allez, un multitude de choses destinées à nos Miss. Alors, bijoux, justement, je me retourne vers vous. Vous avez eu la chance de gagner ce challenge, ce défi. Oui. C'était quand même bien cette récompense. Oui, c'était très bien. J'ai aimé. Je fais le shopping avec les copines. C'était super bien. Un shopping extraordinaire. On rentre, on prend, on ressort, on paye pas. On paye pas. Et surtout ça, c'est ce que je mets le plus. Je prends tout ce que j'avais pour rien payer. Ce qui n'est pas Akin. Alors vous le savez, bijoux, pour retourner dans cette boutique, il va falloir gagner des défis, il va falloir se battre. Et quand on se bat dans Miss Vodacom, eh ben justement, on est de plus en plus en vue et la population qui est là avec vous, qui vous regarde, continue à vous aimer, continue à voter pour vous. Je vous invite d'ailleurs à continuer à soutenir vos Miss, chers amis téléspectateurs. Soyez avec elles, elles ont besoin de vous. Et juste après la pub, vous allez retrouver nos 12 finalistes et vous verrez quelles autres aventures elles ont vécues tout au long de cette semaine. C'est une semaine chargée, riche, pleine d'énergie. A tout de suite. À la vitesse supérieure en goûtant au pouvoir de l'internet mobile entre vos mains grâce à Vodacom, votre réseau préféré partout où vous vous trouvez.
De Boma à Goma, de Kasumbalesa à Kisangani, vous pouvez garder un œil sur vos emails, réseaux sociaux et informations à des prix défiant toute concurrence. En plus, bénéficiez de nos forfaits Internet à des prix abordables. Avec 0,50$ seulement, vous avez 5 MB pour toute une journée, mais aussi, vous pouvez souscrire au forfait d'une semaine, de 30 jours, 90 jours et même de 180 jours. Pour plus d'infos, appelez le 1111 ou allez au Vodashop le plus proche. Vodacom, leader dans le monde cellulaire. Vaseline a trouvé quelqu'un qui désire une peau douce et lisse pendant 24 heures. C'est ma lune de miel. Je veux me sentir bien dans ma peau, qu'elle ne soit pas sèche. Alors j'ai essayé la lotion hydratante Vaseline 24 heures. Regardez, nous ne pouvons plus nous lasser, c'est plus chérie. C'est plus toi que nous. Je n'ai jamais suqué sa peau pour avoir une sensation si douce. Quoi? Vaseline, hydratation totale pour une peau douce pendant 24 heures. Nos Miss Vodacom Congo sont formidables. Voici que grâce à elles, les appels Vodacom sont quasi gratuits. Oui, désormais pour seulement 2 cents la minute, vous pouvez appeler sans compter jusqu'au bout de la nuit. Et rien de plus facile pour en profiter. Pas de condition générale, aucun changement à effectuer, ni de code à activer. Regardez simplement vos appels passer à 2 cents la minute à partir de 22h. C'est simple, direct, et vous en profitez tout de suite, dès la première seconde de communication. Exactement comme un bonus. Vous pouvez vérifier n'importe où, c'est de loin le meilleur tarif en RTC. Alors un conseil, foncez au Vodashop le plus proche et demandez votre carte SIM Vodacom. Pour plus d'infos, appelez dès à présent le 1111. Vodacom, leader dans le monde cellulaire. C'est l'âme de cette cité qui a fait battre mon cœur si fort, sans compter mon pouls. Ils l'appellent la cité de l'or, un paradis pour les achats. La seule chose que je n'ai pas pu acheter, c'était plus de temps pour visiter toutes les boutiques. L'incroyable Melrose H promettait l'endroit parfait pour déjeuner avec un choix inouï de restaurants. Explorer la cité devint une véritable aventure. Toute la nuit à danser dans les boîtes ou à déguster des cocktails à Santon nous ont révélé une cité qui ne dort jamais. Il sera toujours temps de se reposer plus tard et on en aura bien besoin après une visite à Johannesburg. L'Afrique du Sud, c'est possible. Visitez notre site www.voyagerenrsa.mobi. De retour dans Miss Vodacom Congo, chers amis téléspectateurs, nous sommes toujours avec les membres du jury. Nous sommes également avec nos 12 finalistes de ce grand concours national. Et vous le savez, c'est vous, par vos votes, qui décidez qui va rester dans l'aventure Miss Vodacom. Vous l'avez vu, cette semaine est une semaine rythmée, est une semaine riche. Elles ont souffert un petit peu, c'est vrai, parce qu'elles se sont confrontées à des travaux dédiés aux hommes. Alors, le premier groupe, vous l'avez vu, a vécu un moment d'exception en récompense d'un travail bien accompli. Le deuxième groupe, en revanche, a dû mettre la main à la pâte. Pour le coup, ils se sont retrouvés dans le cadre d'une petite punition assez sévère. Et vous allez voir qu'à Miss Vodacom, il faut avoir du cœur et puis il faut avoir des bras également.
Regardez. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Je suis très content de vous voir. Si on peut se mettre directement au boulot, hey now, j'ai vu ce qu'on a comme boulot à faire, c'est de repeindre la maison. Ça, c'est pas plus compliqué que la maçonnerie, je crois. Mais avant de faire ça, la première des choses, évacuer tout ce qui se trouve ici, entretenir la maison. Merci beaucoup, vous avez terminé avec l'étape du ponçage. Maintenant, on doit procéder à mettre la peinture. Disons, on aura deux filles du côté peinture, deux autres vont poncer le bois, et puis le deux restants, vous allez poncer les structures métalliques. Ça fait mal aux dents. Ça? Oui, ce bruit. Ça n'a même pas de rapport entre ce que je fais. C'est trop dur. Comment j'arrive pas? J'avais déjà mal aux articulations. Il faut y faire tout ça là. C'est trop dur. C'est pas juste. Les autres travaux, je te vois ici assis. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous ai demandé de changer d'œil parce que là déjà je me suis fait mal. Je ne peux plus continuer à faire ça. Je vous ai demandé de faire un autre travail. Mais si on vous change, vous serez capable de le faire. Viens comme ça, on te cherche du boulot à faire. J'ai jamais fait de travaux aussi durs. Quand même, ça fait du bien parce que j'apprends de choses. On fait de moi une femme forte. Hein. D'autre part, j'ai jamais fait de choses comme ça. J'étais une petite sensation. Et maintenant, ici, là. Pour du boulot, même si tu es fatigué, tu n'as pas à dire non. Tu dois faire ce qu'on te demande de faire. Mais j'ai fini. Il a fallu repeindre les staffs, je l'ai déjà fait. J'attends qu'on me donne encore un autre boulot s'il y en a. Notre boulot consiste à poncer. Jusqu'à ce que ça devienne clair. Je n'avais jamais comment lisser le bois, mais c'est bien passé parce que je me sens assez. Ça me révolte, hein, sans blague, ça me révolte. Je me dis le prochain challenge, je ne dois pas perdre. J'ai dépensé de l'énergie hier en soulevant les prix. J'ai fait de mon mieux pour que je puisse remporter, mais il s'est fait que j'ai perdu. J'ai voulu gagner, mais j'ai pas gagné. Alors je dépense encore mon énergie aujourd'hui. C'est comme si je fais une chose deux fois. La prochaine fois, je dois faire ça pour gagner mon challenge. Je sens comme si je vais mourir. Je perds mes forces, je perds de l'énergie, tout. J'ai beaucoup travaillé et puis quand je vois tout ce qui m'attend encore à faire rentrer, c'est comme un enfer. Ça, c'est un cauchemar. J'ai envie de me réveiller et de dire que non, j'étais dans un cauchemar. J'en ai marre.
Ouais, ça se passe bien, sauf que ça fait un peu mal au bras là. Le fait de faire ça, de se lever, de rabaisser, ça fait mal là. Mais à part ça, ça va. Je me force de le finir, mais je sais pas encore si j'arriverai, si je ne vais pas me fatiguer, mais je me force de finir. Avant de commencer, on a fait sortir toutes ces histoires. Vous remettez à la maison non, et je vous libère. Voilà, vous le voyez dans Miss Vodacom Congo, les jeunes femmes sont vraiment mises à l'épreuve jusqu'au bout. Monique, on vous a retrouvé. Bon, vous n'avez pas gagné cette fois-ci, vous aviez déjà remporté un challenge. Cette fois-ci, ce n'était pas le cas. Deux challenges. Pardon Monique, deux challenges vous aviez remporté. Monique, ça a été dur cette petite punition ? Honnêtement, c'était trop dur. Mais bon, on n'avait pas le choix. On a donné le meilleur de nous. On devait peindre la maison et enlever tout ce qui était comme saleté dans la maison. Il y avait des planches, il y avait plein de trucs. Donc c'était trop dur. C'est un membre du jury et les membres du jury veulent savoir. Pourquoi vous n'avez pas gagné? Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas gagné cette fois-ci? On était en train de bien travailler en tout cas, surtout pour déplacer les briques et tout pour amener là-bas. C'était trop dur. Et pour faire ça, tout ça là, c'était tellement difficile qu'il était là, il nous expliquait comment le faire, mais c'était pas bien ce qu'il nous disait parce qu'à chaque fois qu'on était en train de mesurer et tout, il y avait Davina qui avait tellement bien compris. Elle mesurait, mais les messieurs disaient que, ouais, voilà, que c'était bien. Mais or, c'était pas bien. Je pense qu'il était, était de l'autre côté. C'est toujours la faute du voisin. On assume, on prend les responsabilités. Toujours, il faut. L'autre perdre. Mais la prochaine fois, je vous donne rendez-vous et nous allons gagner. C'est ça qu'il faut dire. Il y aura toujours une excuse quand on a perdu. Tout à fait. Hein? L'essentiel, c'est que allez, la prochaine fois, le défi soit sérieusement relevé. À propos de défi, cette semaine, c'est Zinduna qui a été nommée chef de maison. C'est un rôle qui n'est pas facile. Il réussit à certaines et puis parfois un peu moins à d'autres. En tout cas, elle a pris ce rôle à cœur. Regardez ce que ça donne. À 20h, tout le monde au lit. Parce que chaque jour, on sera obligé de se réveiller très tôt pour faire les sports à 7h. Quand il s'agit de l'un de conseils, je vais être là, voir ce qu'elle fait. Et puis à la fin, peut-être dire si j'ai à dire. Moi, je suis contre 6h du matin. On peut même être debout à 7h. J'avais pas imposé, c'était une proposition. Je fais une liste des travaux qu'on va faire. Monique et Valentine, vous allez faire la cuisine. Merveille, vous allez faire la terrasse. Tu mets deux personnes dans la terrasse, oui, avec Myrna. On va voir à la fin si seulement le travail est mal fait. Je ne vais pas me priver de le dire. Je vais dire que le travail était mal fait. Comme la majorité n'était pas d'accord, alors tant mieux. Je ne force pas les choses. Chacun est libre de s'y lancer. Donc le principe, c'est très simple. Elles dorment à n'importe quelle heure elles veulent. Et ça n'engage que... Comment allez-vous? Vous avez bien dormi? Oui. C'est vrai? Oui. Sur sûr, vous avez bien mangé? Oui. Tout le monde est là? Bonjour. Oh. Fatiguée? Zinduna, tu peux venir avec moi s'il te plaît? Tu as bien tenu ton rôle de chef de maison, de capitaine. Regarde-moi ça. Tu dois avoir l'œil sur tout. Quand on te donne quelque chose à faire, tu dois te concentrer uniquement sur ça. Tu dois faire attention que toutes les filles ont quelque chose à faire. Vous n'êtes pas là pour vous prélasser, ce ne sont pas des vacances. Vous êtes là en même temps pour apprendre. Quand je reviens,
et que je trouve encore l'état du manoir comme ça, les autres, je ne vais pas leur parler. C'est à toi que je vais m'en prendre. Voici l'horaire. On va s'organiser chaque jour. Les travaux qu'on va commencer à faire. Les problèmes là, des balais, c'est chaque jour. Chaque jour. Balayer aussi le salon chaque jour. Non, pourquoi pas? Ça commence déjà. Maman, on y va faire. Non, tu dors. Peut-être chez toi, c'est propre. Mais chez les autres, tu sais pas. Alors, il faut pas dire ça. Non, tu sais pas. On est sur le lit. Donc, il faut contrôler tout, essayer de voir vos chambres tout partout. Ouais. Elles doivent balayer leur chambre. Ah, vous êtes là. Oui. D'ailleurs, ici, c'est dans le... Tu fais. Ça devrait pas se tâcher. Nous, on arrange notre chambre chaque jour. Notre chambre, elle est propre. On arrange ça chaque jour. Il y en a dans la canane, à mi-temps dans la canane. Jour 1, on était en train de faire les cours. Elle n'était pas en train de s'endormir de son côté. Est-ce qu'elle était même en train de faire ça? Non, laisse tomber ça. Tu sais qui est qui? Alors, certaines histoires, il faut laisser. Mwangaze militaire, mwangaze militaire, moi pas besoin de galop, soutez-moi jury. Serza Masamba, trahir mon assaut, caporal Misoso, la guerre pour mouiller vos sœurs et vos sœurs. Yézatara, yézatara, tata, tata, moi, gâtre, moi, c'est le frein, ça tombe, pas qu'on va l'embaler. Commande à la fois, mais la couleur qu'on est beaucoup. Bête ma militaire, bête ma militaire, Muntu Sakana, tu couvres Kweto. Luna, bravo, hein, c'est pas facile de tenir une maison comme le manoir secret, qui est immense, beaucoup de pièces, de grandes pièces. Comment ça s'est passé pour vous? Ouais, c'était un peu dur, mais je me suis. Zinduna, je crois d'ailleurs que Madame Odia veut passer vous voir cette semaine. C'était à quelle occasion? Bien, parce que j'ai ouï dire que la maison n'était pas si bien entretenue que ça. C'est vrai que tu t'es donné à fond, mais qu'est-ce que je n'ai pas trouvé? Des cheveux à gauche. Ce que vous devez faire, c'est que chaque semaine, ça doit être mieux. Oubliez ce que vous avez fait hier, même si c'était bien. Demain, ça doit dépasser. Et puis mettez réellement à profit le temps que vous avez de disponible pour entretenir ce manoir secret, parce qu'il est... C'est vrai qu'il est immense, c'est vrai qu'il est grand, mais c'est également votre lieu de vie, votre résidence, et donc il vous appartient de le gérer. On verra tout à l'heure qui les membres du jury ont décidé de nommer comme chef de maison, mais réellement, gardez à l'esprit qu'il faut prendre ce rôle à cœur, c'est très important. Mm-hmm. Chers amis téléspectateurs, vous le savez, dans Miss Vodacom, il y a chaque semaine des éliminations. L'huissier de justice est passé, juste avant l'émission, nous remettre, comme chaque semaine, le résultat de vos votes, car c'est vous qui décidez, c'est vous qui votez. Et ces résultats, nous les avons reçus. Alors, cette enveloppe, je vais la décacheter devant vous. Et récupérer cette liste. C'est effectivement un moment qui n'est pas forcément agréable pour vous, mesdemoiselles, mais vous le savez, ça fait partie de cette aventure. Et les places au sein du manoir secret sont chères, très chères. Si vous le voulez bien... Je vais demander à certaines d'entre vous d'avancer. Et je vais appeler Zarka, Valentine, Zinduna et Lorraine. Zarka, Valentine, Zinduna, Lorraine, si vous êtes... devant nous ce soir, c'est tout simplement parce que, vous le savez, les téléspectateurs votent. Ils sont nombreux, les détenteurs de Sim Vodacom. Et vous êtes ce soir les quatre qui avaient reçu le plus de votes. Donc bravo, vous restez dans l'aventure.
Bravo. Cela veut dire que chez eux, les téléspectateurs vous suivent et regardent l'aventure. Donc continuez. Félicitations, vous restez effectivement au manoir secret. Je vais appeler Myrna. Patricia. Davina et Bijou. Mesdemoiselles, vous êtes également dans l'aventure Miss Vodacom depuis le début et vous n'avez pas démérité. Patricia, je m'adresse à vous parce que vous le savez déjà, ces deux dernières semaines, vous avez été parmi les candidates qui ont reçu le moins de votes au sein de l'aventure Miss Vodacom Congo. Donc Myrna, vous êtes également dans l'aventure depuis le début, les téléspectateurs vous suivent. Ils aiment ou ils n'aiment pas votre attitude au sein du manoir, en tout cas ils votent et ils décident. Davina, Bijou, vous êtes dans le même cas de figure. Ce soir, mesdemoiselles, vous restez au manoir secret. Je vais appeler les quatre dernières candidates, Merveille, Jessica, Monique et Laetitia. Mesdemoiselles, vous êtes les quatre candidates qui avaient cette semaine reçu le moins de votes. C'est donc parmi vous que se trouve celle qui va quitter l'aventure ce soir. Merveille, vous n'êtes pas passé inaperçu au sein de l'aventure Miss Vodacom. Jessica, les téléspectateurs vous connaissent, vous avez été chef de maison. On vous a vu également vivre au sein de l'aventure Miss Vodacom Congo. Monique, vous non plus, vous n'êtes pas passé inaperçu. Alors, est-ce que les téléspectateurs apprécient ou n'apprécient pas votre passage, vos réactions, vos discours, parfois enflammés? Et puis il y a Laetitia. Laetitia, vous êtes également dans l'aventure depuis le début. Et ce soir, vous êtes également parmi les quatre qui ont reçu le moins de votes. Je vais donc, sans plus attendre, vous donner le nom, le prénom de celle qui ce soir va quitter l'aventure Miss Vodacom Congo, cette deuxième édition. Les votes sont ici et vous le savez, nous devons les respecter, ce sont les votes des téléspectateurs. Merveille, Jessica, Monique, Laetitia. Celle qui ce soir quitte l'aventure Miss Vodacom Congo, c'est Laetitia. Laetitia, c'est le choix malheureux des téléspectateurs. Ce sont effectivement des moments difficiles, mais ce sont des moments par lesquels il faut passer. Car au final, vous le savez, chers amis téléspectateurs, il y aura une seule couronnée, une seule gagnante au sein de Miss Vodacom Congo. Laetitia a passé ici de fabuleux moments, mais l'aventure pour elle ce soir s'arrête. Listen to your heart. There's nothing else you can do. Vous pouvez l'applaudir, mesdemoiselles. Laetitia a fait un très beau parcours. Merci encore Laetitia pour ce beau passage au sein de l'aventure Miss Vodacom Congo.
Vous êtes une candidate hors pair et merci beaucoup d'être passée par le manoir secret. L'aventure Miss Vodacom a ceci de terrible, mais c'est la réalité, chers amis téléspectateurs. Il faut voter, il faut soutenir la candidate que vous avez envie de voir devenir la Miss Vodacom Congo, car si vous ne votez pas en réalité, elle risque de partir et de quitter l'aventure beaucoup trop tôt. Devant vous ce soir se trouvent donc les 11 candidates qui restent dans l'aventure Miss Vodacom Congo, celles que vous allez justement pouvoir soutenir par vos votes. Je vous invite donc réellement à voter et à voter massivement. Chaque semaine, vous le savez, dans Miss Vodacom Congo, l'une de ces candidates aura la chance de téléphoner à sa famille. Et réellement, c'est une chance. Patricia, cette semaine, a eu la chance d'appeler sa famille. Et elle a retrouvé de l'énergie, elle a retrouvé l'envie de rester au manoir secret. Et vous l'avez suivi, chers amis téléspectateurs. Je me tourne tout de suite vers les membres du jury. Qui, cette semaine, aura la chance d'appeler sa famille? C'est Jessica. Jessica, profites-en encore, comme bon. Tu étais parmi celles qui avaient le moins de votes. Tu en profites vraiment pour booster les votes en ta faveur et que tu puisses encore continuer l'aventure jusqu'à la fin. C'est une minute. Elle est très importante, cette minute, parce qu'il va falloir que tu puisses un maximum d'énergie auprès de ta famille et que, dans le même temps, tu leur transmettes aussi de l'énergie pour qu'ils puissent mobiliser les gens afin qu'ils puissent voter massivement pour toi. Profitez-en bien, les membres du jury vous le disent, c'est une minute qui passe très vite. Donc, trouvez les bons mots, trouvez les bonnes paroles, celles qui vont vous permettre également de trouver l'énergie pour se battre, car en réalité, vous l'avez compris, chers amis téléspectateurs, c'est une vraie compétition. Dans cette compétition, il y a, chaque semaine, un chef de maison. On a vu que c'était une tâche difficile, c'est un véritable défi en soi. Qui, cette semaine, avez-vous décidé de nommer à cette responsabilité? Oui, Myrna, tu as la responsabilité, durant toute cette semaine, de faire beaucoup mieux que Zindouna. Et j'espère que tu vas y aller vraiment fort et qu'on n'aura pas à revenir là-dessus au prochain Prime. Bonne chance. Merci. Bonne chance, on compte sur toi. Merci. C'est dans cet esprit que les téléspectateurs qui vous jugent vont également pouvoir continuer à apporter leur suffrage, continuer à voter massivement, chers amis téléspectateurs, pour toutes ces jeunes femmes. Je vous rappelle, elles sont ici pour devenir l'ambassadrice de la beauté congolaise, mais elles ne pourront y arriver que par vos votes. Pour voter, c'est très simple. Regardez. Pour soutenir votre Miss, c'est très simple. Envoyez le code de votre candidate préférée et votez. Pour Monique, envoyez le 1. Pour Bijou, envoyez le 2. Pour Lorraine, envoyez le 3. Pour Myrna, envoyez le 5. Pour Merveille, envoyez le 7. Pour Jessica, envoyez le 8. Pour Valentine, envoyez le 9. Pour Patricia, envoyez le 13. Pour Zindouna, envoyez le 14. Pour Davina, envoyez le 15. Pour Zarka, envoyez le 17. Voilà, vous l'avez compris, chers amis téléspectateurs, il faut voter, voter massivement pour toutes ces candidates. Mais est-ce qu'on peut le dire différemment, Albert? Mais bouillez, babandekone, vous en andakou, na minute oyo.
ma candidate Bazali Awa, vous votez massivement pour la candidate que vous avez choisie. Elles sont là, bozomona bango. Bolengate, allez-y, votez Miss Vodacom Congo. Binonde bokoponaye. C'est votre choix. Albert vient de vous le dire, c'est votre choix. C'est donc effectivement à vous, chers amis téléspectateurs, de décider et continuer. Regardez comme elles sont jolies, regardez comme elles sont belles et surtout, observez le talent qu'elles ont chaque semaine. À propos de talent, la semaine prochaine est une semaine que je vous invite à suivre et à suivre massivement. Car la semaine prochaine, nos Miss, nos 11 finalistes, nous allons leur demander d'être créatrices de talent. Elles vont devoir créer des vêtements. Elles vont se trouver dans un rôle de styliste qui n'a pas un rôle facile. Je me tourne vers vous, Odia, ce n'est pas un rôle facile du tout. Pas du tout. C'est quelque chose que vous exercez depuis un petit moment, je crois. Nous allons les observer, nous allons voir si elles sont capables de devenir de véritables stylistes, si elles ont du goût, si elles ont du talent. Et c'est vous, chers amis téléspectateurs, qui aurez la chance d'observer et surtout de décider par vos votes. Chers amis téléspectateurs, l'émission touche à sa fin et néanmoins, je tiens à remercier les membres du jury ici présents, toujours aux côtés des Miss Vodacom. Merci beaucoup, Maman Dia, d'être avec nous. Merci, Michel, pour toutes tes présentations, c'est formidable. Et je me réjouis, je suis impatiente de voir ce qu'elles vont nous sortir comme création. Merci beaucoup, Malika, d'avoir été avec nous ce soir et d'aider toutes ces Miss à devenir de plus en plus grandes et devenir de plus en plus belles. Je serai là, je serai toujours là. Knock, knock, and I'm there. Okay. Albert, tu seras là jusqu'au bout, non? Je serai là jusqu'au bout et mon message est très simple. Chers amis téléspectateurs, tous à vos téléphones, votez Miss Vodacom Congo. Choisissez votre candidate. Je vous rappelle d'ailleurs que toutes les informations supplémentaires sur l'émission, vous pouvez les retrouver sur le site internet www.missvodacom.cd, mais également sur le Facebook de Miss Vodacom. Chers amis téléspectateurs, continuez à suivre massivement cette émission. Continuez à regarder toutes les images, car vous les découvrez de plus en plus belles. Et toutes ces images qui sont orchestrées par Joe Bondo, Jack Zinga et toute son équipe qui vous livrent tous les secrets du manoir secret. Je vous dis donc à très bientôt. On se retrouve pour de nouvelles aventures. Votez, votez, votez. Miss Vodacom Congo, à qui la couronne? Chers abonnés de Vodacom, Miss Vodacom Congo, c'est votre télé-réalité parce que c'est vous qui déciderez au final qui portera la couronne. Mais de l'autre côté, Vodacom ne reste pas insensible aux efforts que vous fournissez. C'est pourquoi une série des prix vous est réservée. Rassurez-vous, cette fois-là, il y aura beaucoup plus de cash. Du premier au cinquième. Donc ça veut dire clairement, les 5 meilleurs votants auront droit chacun à 10 000 dollars américains. Ça ne s'arrêtera pas là, parce que les 10 suivants auront droit à 2 500 dollars américains. On ne s'arrêtera pas là. Les 10 suivants auront droit à 1 000 dollars américains. Et je parie que vous vous dites que ça s'arrête là. Et non, parce que les 10 qui viendront encore après auront droit à 500 dollars américains. Les 20 qui suivront auront droit à 100 dollars américains. Et cette fois-là, je vais clôturer avec les 100 derniers meilleurs votants qui auront enfin droit à 50 dollars américains. La série des prix ne s'arrête pas, chers abonnés, rassurez-vous, parce que chaque semaine, Vodacom a décidé d'offrir 10 téléphones Facebook. Et comme nous avons 12 semaines pour cette télé-réalité, vous aurez donc droit à 120 téléphones Facebook. Fini les cybercafés parce qu'en une touche, en un clic sur le bouton F, qui représente évidemment l'icône Facebook, vous êtes directement connecté et vous êtes en contact avec le monde entier. Donc, bonne chance à vous et rendez-vous très bientôt pour la remise de vos prix. Vodacom, leader dans le monde cellulaire.